Salut tout le monde, moi c'est Daniela, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien. Bienvenue dans ma chaîne et aujourd'hui, ma vidéo d'aujourd'hui, ça sera sur différentes façons d'attacher une écharpe. J'ai choisi celle-ci. La première façon, ça sera, déjà, tu la mets comme ça par-dessus, enfin, derrière, par le dos plutôt. Je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi, mais bon. Bref, du coup, vous tournez comme ça parce que je trouve que tourner, ça fait plus stylé. Après, chacun ses goûts, je sais pas, voilà. Mais moi, je trouve que ça fait plus stylé tourner comme ça. Bon, avec mes craies, ça va être c'est un peu derrière, mais bon. Et en fait, j'aime bien attacher, vous voyez, au lieu de faire les cordes, j'aime bien attacher avec des petits élastiques. Là, en l'occurrence, j'en ai beaucoup, je sais pas si vous voyez. Voilà. Parce que je trouve que c'est plus facile en fait, parce que quand tu attaches tout court, des fois c'est un peu relou. Du coup, je trouve que comme ça c'est mieux. Attendez, je vais passer mes crêpes juste pour mettre mon élastique. Voilà, voilà. Et voilà. Bien évidemment, je vais vous montrer ce que ça donne sans mon débardeur d'en bas. C'était juste voilà pour pas être censuré par YouTube. Donc voilà. Ça, c'est la première façon, le premier haut du coup, le rendu, voilà, c'est comment ça donne, sans le débardeur en bas. Du coup, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà, tu prends ton écharpe, tu la mets comme ça, je commence à tourner à partir du milieu, vraiment, le milieu de l'écharpe, parce que sinon, ça sera relou après. Donc, voilà, dès que tu fais ça, génial, il y a, je sais pas trop quoi, qui passe. Génial, bon, tu tournes les deux côtés comme ça. Puis tu prends les deux côtés et tu les tournes encore. Enfin, tu fais une sorte de nœud bizarre. Voilà. Et après, tu passes des deux côtés. Hein. De chaque côté, tu fais ça. Encore une fois, je prends mon élastique parce que je trouve que c'est plus facile, clairement. En plus, voilà. Franchement, j'ai la flemme. Donc voilà. En plus, avec le haut en bas, ça ne va pas vraiment aider pour pouvoir attacher. Donc, avec mon élastique, du coup. Ça le fait plus sympa et c'est plus rapide. Et en plus, c'est plus sûr. Donc voilà. Voilà. On est bon. Du coup, voici la deuxième façon que je vous montre aussi, bien évidemment, sans le débardeur d'en bas. Deuxième façon, comment ça rend. Et franchement, je pense qu'en toute sincérité, la façon qui me plaît le plus parmi les cinq façons que j'ai montrées, c'est celle-ci. Je pense que c'est celle-ci, la première façon qui me plaît le plus. Et la deuxième, c'est la première, du coup. Je pense que ce sont les deux qui me plaisent le plus, bien évidemment. Je sais pas, j'aime trop en fait, surtout ça. J'aime trop, je trouve ça fait stylé. En plus, là, je vous ai dit que j'aime bien le fait de tourner ça comme ça. Je trouve que ça rend différent en fait par rapport aux autres trucs. Mais après, je sais pas, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi j'aime bien ça en fait. Puis la troisième façon, c'est un peu le même début en fait. C'est pas le même haut, bien évidemment, mais c'est un peu le même début. Du coup, tu prends toujours l'écharpe et tu la fais, tu la tournes à partir du milieu comme ça. Voilà, du coup, tu tournes de chaque côté. Encore une fois, je tourne parce que je trouve que déjà, ça fait original. Et en plus, non, ça fait même pas original, ça fait iconique. C'est différent, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc, tu tournes comme ça. Et du coup, ça fait un peu une sorte de... Vous voyez, du coup, c'est différent parce que là, on fait pas de nœud bizarre, comme tout à l'heure. Voilà, et du coup, tu prends encore un élastique une énième fois. Et... Bon, ça va bouger un tout petit peu parce que là... Oh là là, avec mes crêpes, c'est un peu galère quand même. Hein? Sans parler du haut d'en bas, mais bon. C'est pas très grave. Je vais vous montrer ce que ça donne, bien évidemment, sans le haut d'en bas. Donc, vous aurez une meilleure idée. Mais, c'est un peu quelque chose comme ça. Du coup, voici la troisième façon. Comment ça donne sans le haut en bas, du coup. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, en fait. C'est différent par rapport à l'autre, bien évidemment. C'est différent par rapport à la quatrième façon, je vous ai dit. Parce que la quatrième façon, c'est vers derrière, alors que là, c'est vers le haut. Bref. Donc voilà, j'espère que vous aimez. On a la quatrième façon qui est un peu comme la façon d'avant, dans le fond. On a la forme, mais pas dans le fond. Voilà, donc, parce que là, vous avez vu, j'ai mis sur le dos, mais après, tu tournes toujours. Voilà, voilà, c'est un peu le même principe. Hein. Ça fait une fois que je dis ça, donc quand même, je pense que voilà. Et tu fais la même chose des deux côtés. Bon, c'est un peu ça le but aussi. Donc tu fais ça, doucement, bien évidemment. Et après, tu passes là. Encore une fois, avec mes élastiques, il y en a plein. Donc. Voilà, et tu fais ça.
Bon, avec le haut, c'est un peu galère parce que voilà, que c'est pas collé à mon corps, mais bien évidemment, je vais vous le montrer. Et ça donne quelque chose comme Catherine. Ou du coup, comment ça rend sans le débardeur en bas, bien évidemment. Je pense qu'en fait, entre les cinq façons de, enfin, les cinq façons d'attacher une écharpe, avant, que j'ai montré ici dans cette vidéo, bah, ça c'est la façon que j'aime le moins en fait, parce que je pense que c'est la plus compliquée. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment. Pour moi, je pense que c'est la façon que j'aime le moins. Et puis, on a la cinquième façon qui est un peu plus pudique, entre guillemets. Bon, c'est pas très. Voilà. Mais du coup, t'attaches déjà un bout comme ça. Vous voyez, vous faites un beau nœud, bien évidemment. Un nœud, un nez. Je sais pas trop, bref. Et vous attachez avec les ongles, c'est un peu galère, mais bon. Du coup, vous passez un bras. Après, vous mettez celui que vous voulez. Hein. Franchement, je l'ai choisi comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment. Enfin, vous évitez que ça soit. Voilà. Donc, vous faites ça. Et vous essayez de tirer au maximum, bien évidemment. Parce que sinon, après, ça laisse des espaces bizarres ici. Donc, vous tirez au maximum comme ça. Avec mes cheveux, encore une fois, c'est galère. Et vous faites passer vers le bas, pas vers le haut. Parce que comme ça, ça vous laisse le dos nu. Après, vous allez voir, bien évidemment, sans le haut en bas. Vous allez comprendre. Mais bref, vous faites ça. Et du coup, là, vous faites un tout petit peu. Parce qu'en fait, là, c'est un peu plus long. Du coup, je tourne ça et. Je viens faire un nœud, je sais pas trop, la même chose ici du coup. Et vous faites ça avec les ongles, encore une fois, c'est un peu galère. Et en plus, je suis fatiguée donc. Voilà, et vous faites ça. Aïe, voilà. Bien évidemment, voilà. Et du coup, vous le mettez comme ça. Finalement, vous tirez parce que sinon, après, ça fait bizarre. Et voilà, ça donne ça avec le lambert, bien évidemment. Mais après, je vais vous montrer ça. C'est un peu ça le résultat du coup. Enfin, le résultat du rangé en bas du coup. Vous voyez, moi je disais comme ça. Du coup, le dos est un peu plus ouvert. Et voilà. Donc, bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et bon, n'hésitez pas à me dire, surtout en commentaire, bah, quel est le haut que vous avez préféré et celui que vous allez le moins préférer. Hein. Voilà, à une prochaine. Salut tout le monde en fait. Je commence très très bien. Génial. On est bon. On est salut bon. Tout le monde. Moi, c'est Daniela. Et bah, bienvenue dans ma chaîne. Elle est débattue, c'était une trompette. Oh, j'en ai